Salut à tous, c'est Tomcat, on se retrouve pour l'émission numéro 7 de la campagne Ad Passem 1985 par DigiGoofy pour le Mirage F1 d'Aergis, comme d'habitude. Mission du jour qui va nous voir effectuer une mission en collaboration avec avec les Israéliens. Un village au sud Liban, enfin une maison dans un village au sud Liban a été repérée. Devrait avoir des cibles de haute valeur intérieure. Des membres haut placés du Hezbollah devraient se trouver dans cette maison. Donc les Israéliens ont décidé de mener un raid. Deux Blackhawks vont déposer des troupes dans le village. Je vais vous montrer les photos de reconnaissance. Donc il y aura Spike 2 qui va déposer ses troupes au niveau de la landing zone Tango Zulu. Et Spike 1 qui va les déposer sur la zone Tango Whiskey. Nous là-dedans nous serons chargés d'assurer leur protection. Donc on est en combat en closer support, pardon. Et on a deux F-16 israéliens qui vont être chargés de d'effectuer une cape et de notre protection. 611, you're leaving the CTR. Contact Tel Aviv Control. Copy, Tel Aviv, 611. 2, push green 14. Donc Uzi c'est les F-16 et Dropper c'est les Blackhawks. On va se mettre en formation avec le leader. Ok, donc dès qu'on arrive au waypoint 4, on va prendre un étagement de 1000 pieds. Étagement positif pour moi. Mon leader va rester à 12 000 pieds, moi je vais monter à 13. Avion.
out. SE-11, stay in position. Ok, donc on a deux appareils détectés au niveau de Damas. Pour l'instant, Uzi n'est pas envoyé sur zone. Et je monte à 13 000 pieds, moi. It's time to tune into the ground troops. Switch red 3. Deux secondes. Bouche 3. Ok. Want some advice? Stand in a circle at a 25 angle and switch on the autopilot. We might be going around in circles for a long time. C'est Jeffrey. Bah écoutez, je vais commencer à préparer le tout. Sur les paniers de roquettes, on va déjà sélectionner les extérieurs. On passe en instantané. On va rester en salve, ça c'est bon. Bon, ça je l'ouvrirai au dernier moment. Passer Master Arm on. Je vais ralentir un peu parce que je suis rapide. Donc pour l'instant les F-16 ne sont pas envoyés en interception des appareils détectés. Aussi la table pour les roquettes. Alors j'espère que ça va le faire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué le tir à la roquette avec le. Enfin, en tout cas, essayer d'être précis avec la roquette, avec le tir de roquette. J'ai regardé un petit peu au moment de préparer l'avion. Je pense que je vais partir sur ça, une dépression de 40 millirads et largage, enfin tir à 1000 pieds. J'ai fait un petit calcul par rapport à la cible, donc là je suis en, normalement en, je dois être en QFE à 914, mais je peux pas aller à... Mais le maximum que je peux aller, c'est 930. Avion, avion. Je vais faire comme ça et puis je vais m'adapter. C'est un peu bas là, par contre, un peu lent, je veux dire. On va mettre un peu de gaz. Ok. Et une dépression de 40. Mètres au nord de Tango Whisky.
Alors, ça nous emmènerait où ça? Mètres, ça va être par ici, là peut-être. Ok, donc visible. Les deux F-16 ont été les deux les deux MiG ont été abattus. Donc moi je vais devoir m'occuper du BTR qui est là vers la pointe. Donc il y a deux BTR, un ici, un là, avec en plus quelques troupes au sol. La maison, la cible principale se trouvera au milieu. Bon, visiblement notre leader il est pas bien réveillé aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer quand même. Pour l'instant, c'est lui qui va faire la première passe d'attaque. Et moi, pour l'instant, je continue d'orbiter. Et j'attends mon tour. Je pense qu'on va pas prendre de risques. Donc notre leader s'est fait shooter. Hein. Visiblement, c'est vraiment pas sa journée. Donc la pointe est ici. Je vais trimmer mon appareil parce que là ça va pas. C'est bon, je le vois. Juste à côté d'un arbre. Menard. 614, running in.
pile poil sur la gueule. Bon bah lui il a pas réclamé son reste. Ah, j'étais pas mécontent de moi, plutôt un beau tir. Avion. Hop. Radio 4, sir. How are you? Not bad. Slightly wounded, but I'm okay. Popping orange smoke. Keep your smoke for the rescue. Our Black Oak is on its way. Don't worry. I've got plenty of smoke. This is the second time I've bailed out. Jets are done for me now. But you, how are you doing up there? Just, Manpad is out and the second BTR too. The ground troops are about to reach the HQ. Well done. Good luck. 6-1 one out. Good luck to you too, sir. 6-1-4 out. Bah, il lui fait un petit coucou. Donc visiblement c'est pas la première fois qu'il s'éjecte. En tout cas c'était vraiment pas sa journée. Hein. Ça semblait bizarre depuis le début de la. Depuis le début de la mission. Mais ça s'est confirmé. Le pauvre il est au tas. Faut au tapis. Bon l'avantage c'est qu'il me reste encore des roquettes sur les deux paniers extérieurs. Donc ça veut dire qu'avec un peu de chance, je vais pas tout utiliser. Et on pourra faire des économies aux contribuables. Je vais remonter à 10 000 pieds. Je vais ralentir un peu. Que j'espère qu'on va réussir à la mission parce qu'en ayant popé ça. Sa grenade fumigène, il est vachement visible. On a une piste juste là, donc c'est peut-être de là que les Black Hawk ont décollé d'ailleurs. Parce que oui, on est plus ou moins à 5 minutes de vol, hein, peut-être même pas, donc c'est peut-être bien de là dont ils sont partis. Hop, allez. On est rappelé au boulot.
Allez, on est rappelé au boulot, c'est parti. On va essayer de refaire une belle petite passe comme sur la première. Belle passe d'attaque comme sur la première. Comme sur l'attaque du BTR, pardon. Je suis un poil rapide, je vais baisser un petit peu. Bon, visiblement, ça n'a pas fonctionné là. Assurer au cas où. Pourtant, j'avais l'impression que les roquettes étaient sur le sur la cible. Toujours pas. On va passer sur les roquettes à l'intérieur. Comme quoi, visiblement, c'est plus facile de toucher un BTR que des troupes au sol. Troisième passe aura arrêté la bonne. Faire un petit coucou et puis on va rentrer à la base.
Bon, encore une mission qui était extrêmement plaisante à faire. Je trouve qu'à chaque fois, DG Goofy arrive bien à renouveler un peu le style de ses missions, même si des fois le but, enfin le style d'attaque reste le même. Mais à chaque fois, le contexte arrive à être bien, enfin, bien modifié, bien neuf, et en tout cas donne un agréable sentiment de nouveauté au moment de refaire les missions. Ah, c'était clairement pas simple, hein. Je pensais plus galérer quand même que ça par rapport au réglage du tir roquette, mais encore une fois, ça a été un vrai plaisir de faire cette mission. On va aller se parquer droit devant. Et encore quelques munitions à désarmer. Et moi, je vais vous souhaiter. Enfin, déjà, je vais vous remercier d'avoir visionné la vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, enfin, peu importe ce que vous voulez au moment où vous regardez la vidéo. Et je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle mission de campagne. Malgré tout, j'essaie de tenir le rythme. Enfin, je sais pas si vous avez vu mon post dans l'onglet communautaire, mais voilà, je vais essayer quand même malgré tout de tenir mon rythme, en tout cas pour cette campagne de Passem. À grand regret, je pense que pour l'instant ça va être un peu compliqué de faire de continuer à Speed and Angel. Je vais quand même malgré tout essayer d'en sortir quelques vidéos dès que je le peux, mais je pense que ça va être plus compliqué pour Radpassem qui demande quand même moins d'implication, dans le sens où on est moins dans le respect des procédures que sur la mission Speed and Angel. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était Tomcat, ciao ciao.